parquet a victime d'un grave incident dans la nuit hier soir pour arriver matin. Que il est arrivé cambrioler bureau commissaire Jean Danton Léger. Côté matin, nous étions obligés de faire appel avec un juge de paix que nous représentons si bon côté là pour faire des procès verbales pour nous capables de voir qui ça nous paye. Pour le moment, le juge de paix a fait des constats. Nous avons relevé que nous avons trois dossiers que nous n'avons pas pour le moment. Directement, trois dossiers, nous sommes capables de dire que nous avons un supplément, j'ai bien dit, un supplément du dossier du bateau Manzanares. Et puis, nous avons le dossier de Wilson Lalo et puis l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte. C'est trois dossiers pour le moment, nous avons cherché, nous pas trouvé. Nous avons sécurité qui travaille ici en deux vacations, nous avons matin et soir. Pour, comme c'est hier soir, action passée, dans la nuit hier soir, brief et matin, c'est sécurité qui était là hier soir, yo, que le juge de paix a pris pour l'attendre directement là. Dossier, ça fait rien là ça nous pas ouais. Non, pour le moment, j'ai bien dit. Et nous sommes dans la presse, il y a deux convocations, une pour aujourd'hui et une pour demain. Côté où tu pour questionner Monsieur Wilson Lalo et l'ex-premier ministre Laurent Salvador Lamotte concernant le dossier fonds Petro-Caribéo. Dans le plus prochain point de presse, porte-parole parquet Port-au-Prince capable non plus éléments d'information. On constate que porte là s'est brisé. Donc, on va rentrer là pour que nous soyons capables d'ouvrir une enquête pour nous voir qui ça que nous allons faire. Pour le terme de matériel, de dossier qui était en dedans, qui sont où est-ce que bon, bah, je suis fondé. C'est comme si que en dedans, son bagage qui a un acte de vandalisme qui produit.